Responsabilité et performance des agents de la commune d'Abomey-Calavi pour la satisfaction des usagers. C'est autour de ce thème que les fonctionnaires de la commune ont fait l'édition 2021 du 1er mai. Et rappelant l'histoire de la lutte décisive de la classe prolétarienne dont cette journée de la fête du travail est fruit, le porte-parole des agents de la mairie d'Abomey-Calavi n'a pas manqué de souligner les nombreux acquis à leur endroit depuis l'avènement de l'actuel conseil communal. Nous pouvons citer l'assurance maladie qui, dans quelques jours, avec le processus déjà enclenché, serait une réalité. L'attribution d'une nouvelle prime dénommée prime spécifique à tout le personnel de la mairie d'Abomey-Calavi. L'octroi et l'amélioration de la prime de carburation aux agents à des postes de responsabilité. La résolution de l'épineuse question de la CNSS. Mais le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi dira au nom de ses camarades que plusieurs pas restent à faire pour l'amélioration des conditions des agents de la commune. Le paiement à bonne date des primes et avantages aux agents. Le paiement des moins perçus sur salaire. Le versement direct sur le salaire de la prime spécifique et de suggestion. Nous voudrions aussi que vous puissiez revoir le fonctionnement des commissions en charge de la carrière des agents. Dans son adresse, le premier travailleur de la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Evariste Awandino, s'est penché d'abord sur le thème de la célébration avant de prendre des engagements sur les doléances des travailleurs. La ponctualité au service, la conscience professionnelle, l'honnêteté intellectuelle, le secret administratif, le respect de la déontologie administrative et que sais-je encore. En tout cas, le conseil communal et moi-même sommes prêts à jouer notre rôle pour que les doléances évoquées ce jour ne reviennent plus l'année prochaine. L'occasion a été saisie pour honorer les agents des collectivités locales de la commune d'Abomey-Calavi, admis à faire valoir désormais leurs droits à la retraite.